Les plaintes des usagers de cette route à grande vitesse ne cessent de se faire entendre. On aurait dit un sort qui a été lancé pour accentuer sa dégradation au niveau du siège du Conseil national de la démocratie. La route cause beaucoup d'embouteillages et beaucoup d'accidents. Et je trouve que ce n'est pas bien pour la voie express. L'embouteillage, normalement, elle empêche beaucoup de gens d'aller au travail. Les gens arrivent en retard au travail. Ce sont des accidents, des embouteillages et des grincements de dents des chauffeurs de taxi ou encore des particuliers qui sont donc entendus chaque jour à cet endroit. Mais que fait réellement la société Sokoba qui doit se charger d'achever les travaux de ce bout de route qui s'étend sur moins de 100 mètres? Sokoba est là à côté et puis finalement ils ne font rien. Moi je ne trouve pas que une société comme Sokoba qui arrange les routes ne s'en charge pas d'arranger. Le message que j'ai là aux autorités, c'est d'arranger l'état de la route. Une solution pour soulager les usagers qui empruntent au quotidien le boulevard Triomphal doit immédiatement être trouvée à l'effet de prévenir tout accident ou encore incident qui pourrait lui être amputé. Cela est d'autant plus urgent que la sécurité des conducteurs et des passagers en dépend.